Twickenham a eu beau être le théâtre de leur désillusion l'an passé, aucune trace de tension n'apparaît sur le visage des Saracens. Celui des Clermontois affiche un tout autre aspect, mêlant impatience et détermination avant d'aborder une troisième demi-finale européenne d'affilée. Passé la fébrilité des premiers instants et la période d'observation au pied, les Saracens décident de tenir le ballon. La défense de Clermont subit la vitesse d'exécution des Londoniens. Voilà les premiers enchaînements de la part des Saracens avec Vunipula. Ouais, on a choisi de ne pas utiliser le pied parce qu'on était à proximité de la zone des 50 mètres. On voit les consignes de jeu. Retour intérieur, c'est bien fait. La première percée, ouais, bah, avec peut-être le premier essai pour les Saracens. Le premier essai signé Ashton. L'ailier international anglais frappe une nouvelle fois un grand coup en signant son 10e essai européen cette saison. Après 8 minutes, les Saracens mènent 7-0. La réaction de Clermont est timide. Morgan Parra réduit l'écart sur pénalité 3 minutes plus tard. Lorsque survient ce qui, a posteriori, apparaît comme le tournant du match. Le dégagement de Lee Byrne est contré. Marcelo Bosch a suivi et monte au ballon, comme Brock James. Nigel Owens fait appel à la vidéo pour savoir si l'Australien a volontairement sorti le ballon de l'aire de jeu. Selon lui, sur ce ralenti, la réponse est oui. Et la sanction tombe, comme un coup de massue sur les têtes clermontoises. Carton jaune pour Brock James et essai de pénalité. Je pense que c'était involontaire l'action de Brock James. Donc un carton plus un essai de pénalité, je trouvais dur. 14-3, les Saracens se détachent et paradoxalement, Clermont en infériorité numérique se montre plus entreprenant. Parra éjecte pour Sivivatu qui écarte pour Stanley. La réplique auvergnate se fracasse sur le nouveau coup de sifflet de Monsieur Owens. Passage à vide de Damien Chouli, essai logiquement refusé. Pourtant, Clermont domine territorialement. Mais faute de concrétiser leur temps fort, les hommes de Verne Cotter doivent se contenter de miettes, comme cette pénalité de Parra qui réduit l'écart à 14-6. Des miettes dont les Saracens font leur miel à 10 minutes de la mi-temps. Attaque de Clermont, montée ultra rapide, ballon gratté au sol, turnover et derrière, le réalisme d'Owen Farrell. Avec Vunipula. Oh, Burger qui est venu encore sur un déblayage en plongeant avec la prise de base, accélération maintenant, avec peut-être l'essai à nouveau pour les Saracens. Ah, ballon contrôlé, c'est au pied, c'est au pied. Et l'essai, que dit Monsieur Owens? Mais il va demander l'arbitrage vidéo. Et pour la troisième fois, en effet, l'arbitre gallois fait appel à la vidéo pour savoir si Farrell commet un en avant. Au ralenti, c'est bien son genou qui propulse le ballon devant, donc pas d'en avant. Et troisième essai anglais, validé. Mais en y regardant de plus près, l'arbitre vidéo aurait pu aussi s'interroger sur la passe entre Good et Ashton au début de l'action. Rien à signaler selon lui, et fin d'une première période cauchemar pour Clermont, mené 24-6. On a joué par à-coup, les 2-3 temps forts qu'on a, on ne marque pas, on prend des contres justement derrière. On prend des essais un petit peu cons sur des erreurs de défense aussi. Voilà, on a fait beaucoup trop de fautes. Avec 18 points de retard, l'issue de la rencontre ne fait plus de doute. Dominé dans l'agressivité, battu dans la bataille des rucks, dépassé par la vitesse anglaise, les Clermontois s'épuisent à colmater les brèches. De Kock commet un en avant à quelques mètres de la ligne. Le danger est permanent et à force de cogner sur un mur rouge et noir, Clermont se fait punir. Avec Sivivatu qui peut transmettre à Stanley, l'accélération de Stanley, retour intérieur. Pour Tipaolo, ouais, Tipaolo qui perd le ballon, poussé du pied maintenant par Ashton qui va peut-être le récupérer, poussé du pied. Et le doublé d'Ashton qui envoie les Saracens, c'est sûr maintenant, en finale de Coupe d'Europe. Ashton porte à 11 son nombre d'essais inscrits en H-Cup cette saison, nouveau record et fin des illusions clermontoises. On a été mis dans une position où on devait tout jouer contre une équipe qui défend très bien et qui met beaucoup d'intensité physique comme ça. Ça s'est transformé en un petit peu n'importe quoi sur la fin. La fin de match est presque anecdotique, elle tourne au calvaire pour Clermont. Résigné à l'image de Cudmore, abasourdi par tant d'impuissance, illustré par ce ballon perdu en touche qui aboutit au 5e essai anglais signé Chris Wiles. Avec Ashton qui a démarré, qui est passé. Qui peut allonger sa passe maintenant. Oui, mais 2 contre 1 et encore un essai. Pour l'essai de Wiles qui venait de rentrer.
39 à 6, les points défilent comme autant de coups de boutoir portés à la face des finalistes de l'an passé. Tim Strasser parachève le triomphe anglais avec un sixième essai synonyme d'humiliation, presque trop grande pour être vraie. À 10 mètres de la ligne, Wigglesworth avec Farrell. Farrell pour Good. Good qui peut transmettre à Strasser. Le nouvel essai. Essai de Strasser. Les petits garçons de Mark McCall, balayés il y a 2 ans en quart de finale, ont bien grandi et pris une éclatante revanche. 46 à 6, score final, les Saracens se qualifient pour la première finale de leur histoire. Clermont, lui, ne soulèvera pas cette année encore le titre continental suprême. Pas plus que Verne Cotter, dont l'histoire européenne avec la SM s'achève à Twickenham.